Donc allons les fumer, on va faire la bataille évidemment. Ok. On est sur le champ de bataille. Alors les batailles peuvent être très longues. Très très longues. Il faut positionner ses unités, voilà. Hein. Nous sommes tout bonnement. Ouais. Bon, je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu donc. Ouais, est-ce qu'on va avoir les renforts? Je n'en sais rien. Alors les canons. Alors là, ah, c'est bon, c'est des canons montés. Tiré par des chevaux. Donc très bien, il bouge parce que je crois que normalement les canons ne bougent pas. Il faut bien regarder le terrain, hein, parce que par exemple je mets mon canon ici, regardez. Là ça a l'air bien cette butte. Mais si je les mets ici, paf, ils vont tirer dans la. Dans la terre. Par contre ouais, les touches, je ne les connais plus du tout. C'est assez terrible. Hein. Alors, on va mettre le canon, lui là. Le canon qui est à gauche, ben, on va le mettre à gauche. Sur cette petite colline. Allez, rends pas fou, mets-toi-y. Mets-toi-y lui. Voilà. Paf. Cavalerie montée. On va les mettre sur les côtés pour qu'ils flanquent. Hein. On va les cacher dans les buissons. Dans les forêts. Wesh. Voilà, on va les cacher ici aussi. Tac. Ils sont bien cachés là. Et la ligne de bataille. Alors. La ligne de bataille. J'espère qu'ils vont pas avoir des soldats ici, ça serait très chiant. Ce serait très chiant. Alors, la ligne de bataille. Alors, on va essayer de se faire un truc organisé. Tac, tac, tac. Voilà. 1, 2, 3, 4 infanteries qu'on va mettre de ce côté-là. Tac. Infanterie de ligne, hein. Voilà. Ok. Ok, voilà. La montagne, la petite colline sera une protection naturelle. Voilà. De ce côté. Nickel. Infanterie. Voilà. Très bien. Et le reste. Alors ça c'est de la milice. Donc c'est pas bon. La musique est un peu forte. On va prendre une infanterie en plus. Et on va la mettre au milieu là. Vas-y, rendez pas fou. Voilà, comme ça. Voilà, et le reste du coup, tac, 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 on va le foutre de ce côté-là. On va les mettre là, certains cachés dans les buissons aussi. Voilà, et mon général, on le fout au milieu, protégé, et c'est bon. Bon, voilà à quoi ça ressemble à une ligne de bataille, hein. Un peu des cavaleries pour flanquer sur le côté, des infanteries lignes ici protégées, qui protègent un flanc. Des infanteries puissantes un peu là, puis d'autres soldats là, vas-y, let's go. Et évidemment, ils sont pas du bon côté, putain, on fout quoi. Artillerie, alors tu vas te foutre ici, et vite. Et tu te bouges, tu peux pas courir, hein, non. Ils sont du pire côté. Je crois qu'on fait espace, ouais, infanterie de ligne. Tu vas protéger ce côté-là. Et toi, ce côté-là. Ok. Les canons là. Vite, il faut vous positionner. Voilà. Bougez-vous. Bougez-vous, bougez-vous. Et vous. Vous, on va positionner comme ça, histoire de fermer le goulot d'étranglement. Voilà, très bien. Le général. Ok. Vous allez vous caché dans les bois ici. Voilà, vous allez me mettre en position de tir. Ok, la musique me saoule. Hein. La musique me saoule. Comme dans tous les jeux. Comme dans tous les jeux, la musique fait chier. Voilà. Allez, back. Raising ball. Ok, et vous foutez quoi là? Foutez rien. Vous allez passer. De ce côté-là, en courant, s'il vous plaît. Il y a des raccourcis, je ne les connais pas du tout. Voilà, là ça tire là. Là c'est bon, hein. Alors avec eux, il faut. Putain, ils ont des canons, les bâtards. Avec les canons, faut essayer de détruire la cavalerie. Mais la cavalerie est hors de portée. Vous voyez la portée de mes canons. Bah, jusqu'ici, la cavalerie s'est mise en devant, évidemment. C'est quoi ça? Ok. Là-bas, là. Là, il va falloir accélérer. Hein.
Alors c'est F pour courir. Pas du tout. C'est R. J'ai activé le mode mêlée. Courez vite. Vite, vite, vite. Et ma cavalerie qui est là-bas cachée doit aussi se bouger. Putain, la caméra, j'ai du mal. Aussi se bouger le cul. Pour flank. Ok, je sais pas sur qui vous tuerez, mais. Mais tirez sur. Sur eux là. Voilà. Et vous aussi, bougez-vous. Alors, le mieux c'est d'être sur des collines, hein, évidemment. Allez, vite. Courez. Courez. Et vous, vous qui ne servez à rien, vous allez flanquer aussi. Vous allez passer de ce côté. Voilà. Bon, au niveau de la caméra, on va essayer de reprendre un peu le contrôle. Alors, vous, c'est bon, vous avez fini. Alors, mettez-vous en position de tir, s'il vous plaît. On essaie de. On essaie, hein. Ils sont en train. Ils sont en train de me contourner. Ok, la cavalerie qui est là-bas doit accélérer le rythme et se mettre à porter tir ici. Et eux, ils m'emmerdent, hein. Les canons là? Non. Non. Eux, faut les buter. Ok, manœuvre. Contre-manœuvre, vite. Fumez cette cavalerie de merde. Vite, 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 vite. Feu. Feu à volonté. Fumez-les. Alors. Fumez-les. Fumez-les. Tirez. Il faut tirer. Ok, et maintenant on passe à la charge. Hein. Allez, allez, allez. C'est bon. Il reste plus que 20 soldats. Véritable carnage. On va éviter qu'ils fassent feu à volonté. Parce que s'ils font feu à volonté, ils vont se tirer dessus en fait. Bon, je gère un peu. Je fais de la micro, comme on appelle ça. On va passer comme ça. On va les faire courir. On va les mettre feu à volonté. On va enlever ça. Eux, on va les faire flank comme ça. Et vite. Maintenant, on va aller là-bas. Et on va essayer de buter les gens qui partent. Qui fuient. Ok, cours. Eh, hey, il a renfort là. Nickel. Alors vous, butez ça là. Butez ça, s'il vous plaît. Voilà, mes canons qui frappent. Tout se passe bien. Voilà. Ok, eux, on va les mettre ici. Allez vite. Et là faire attention à hein, ce genre de truc, ça détruit les cavaleries ça hein. Donc eux on va les faire se calmer. On va juste se mettre là. Évidemment si tout part en couille je peux mettre pause. Je peux mettre pause, je peux ralentir le temps, je peux même l'accélérer si j'en veux. Voilà. Là il faut tuer le général, ça c'est un général. Cette cavalerie est extrêmement puissante. Hein. Alors je gère un peu comme un cul, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. C'est pas grave. L'artillerie, on va la stop. Hein. On va la stop avant qu'il fasse n'importe quoi. On va avancer ça. Ici. Là-bas, y a la bagarre. Fumez-les. Voilà, c'est la guerre. C'est bon, on est dedans. Regardez-moi cette ligne de bataille, si j'arrive à gérer ma caméra. Magnifique, hein, ces effets. Très bien, les gars. Ça, c'est de l'infanterie de ligne qu'on aime. Vous, par contre, pas super efficace, hein, j'ai l'impression.
Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ça c'est le général qui s'enfuit. Est-ce que j'ai... Général ici, hein. On va l'attaquer. Regardez le traumatisme de ces pauvres néerlandais qui se font attaquer dans le dos. Regardez, ils meurent là, ils meurent devant. Bon, pour l'instant ils sont quand même ils sont pas très confiants, hein. Ok, là faut arrêter là. Là faut arrêter, hein. Faut arrêter d'aller dans le... dans les lignes ennemies, hein. Allez, vous faites quoi là? Ils sont pas très obéissants, hein. Allez. Voilà, ça part en cacahuète. Ok, ben on va les faire charger tout simplement. Pour mettre un terme à ça. Vous aussi s'il vous plaît. Go corps à corps, hein. Voilà. On arrête les conneries. Vous pareil, vous chargez. Vous arrêtez de tirer à volonté. C'est l'assaut final. Les canons, vous arrêtez aussi. On mène l'assaut final. C'est une véritable boucherie. Et vous pareil. Go là, assaut final. Et vous arrêtez de tirer sur vos potes s'il vous plaît. Merci. Et vous aussi. Mais arrêtez donc. Deux soldats ici, il reste quasiment plus personne ici. On va continuer la bataille, hein. On va être jusqu'au dernier. On va faire attention, ils vont faire une connerie, hein. Là ils vont faire une connerie. Stop. Stop. Ok, ils les ont tués, très bien. Et ici, faut finir le travail. Le général, vas-y au passage. Je peux y aller maintenant. Alors je vais tester un truc. On va peut-être s'arrêter. Se mettre en mode feu à volonté. Et buter comme ça peut-être. Je sais pas si ça va marcher. Ok. Ça va être véritable boucherie, hein. Feu. Feu s'il vous plaît, hein. Si vous voulez bien m'écouter. Ouais, il tire un peu de travers quand même. Ok. Ouais, ouais, finissez-les comme ça. C'est trop long là. Okay, mon général est tout. Il est là. Allez, c'est l'assaut, hein. Je crois qu'ils sont 180 dans le bataillon à la base et... Bon, ça, je crois que j'ai pas perdu trop de soldats. Aïe 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 aïe. Le son est un peu fort. Oh, butez-le, merde, il en reste qu'un, quoi. Allez, ça c'est le truc qui est un peu chiant dans le jeu. Voilà. Victoire décisive. Effectivement. Effectivement. Ils n'ont plus d'armée. Ok, oui, en effet, j'ai perdu 280 soldats contre 1500. Ouais, ça fait mal, hein. En même temps, je prends la ville. Et est-ce que je peux continuer? Je ne peux pas. Oui. Pourquoi ne puis-je continuer à aller par là-bas? Alors, est-ce qu'ils sont contents? Bah pas trop, hein, ils aiment pas trop voir leur ville détruite. Ok, bon, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette armée. En avant ! Pour la couronne et le... Oui, monsieur. Et on va pousser. Ah bah on peut même ravager leur terre. On peut ravager leur terre si on veut. Alors go le faire, hein. Go tout casser.
Voilà, on va assiéger Amsterdam. Préparez-vous Voilà. pour la bataille! En assiège. Et est-ce Ils que se je peux, cachent sous les jupons des femmes! avec de la cavalerie, ni détruire Sonnez le rappel pour Monsieur? la bataille! Tout ce qu'il y a ici? Bataillon! Ok, on va Les tout détruire. porcs pourrissent Voilà. dans leur porcherie! Et Monsieur! oui, et oui, 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 les porcs pourrissent dans la porcherie. Voilà, la porcherie, c'est Amsterdam. Voilà. Ben voilà. Ça va peut-être les calmer, les Néerlandais, là. Hein? Le retour du bâton. Le retour du bâton français. Voilà. Région captured. Flandre. Ça va rester chez moi. Hein. Il y a quoi, là, dans cette région? Un port de commerce. Ici. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Alors, les Néerlandais ont fait la gueule. C'est qui leurs alliés, au passage? Juste comme ça, pour savoir. Ah ouais, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Savoie, ouh là 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 là. Et la Savoie, rendez pas fou, hein. Je pense qu'ils vont pas aimer. Hein. Alors là, on voit pourquoi ils m'aiment pas. Hein. Il y a les relations au total, c'est moins 82. Voilà, moins 82, hein. Voilà. Et des doléances historiques, moins 147. Même religion, plus 20. Commerce, plus 18. Même gouvernement, plus 15. L'expansion territoriale est très mal vue. Moins 6, pour l'instant ça va, mais j'ai pris qu'une région. Hein. J'ai pris qu'une région, il y en a 144 à prendre. Donc imaginez moins 6 par région. Ensuite ça baisse tout seul. Hein. Et mon leader impose le respect, en effet c'est quand même Louis XIV. Ok, les Mamelouks, je vois que je peux faire du commerce avec vous. Les Mamelouks. Les Mamelouks, écoutez. Vous m'avez l'air totalement. Sans amis, donc go. Pas d'alliance, ça part en commerce. Il veut que je les paye? Zéro offre. Ah non, il me paye, ok. Vas-y, paye-moi, t'as raison. Ok. Ensuite, y'a qui d'autre? Eux, même pas je tente. La Géorgie. La Géorgie qui sont en guerre contre bah, les nations barbares, en gros, les nations barbares, ici. Le Maghreb, voilà. Considéré comme des nations barbares à cette époque-là. Et donc du coup on parlait de la Géorgie. Géorgie. Qui sont alliés aux Russes. Ça va peut-être faire rapprocher des Russes cette histoire. Est-ce que tu veux juste comme ça gratuitement? Non hein. Non, tu veux quelque chose en échange. Tu veux quoi? Une petite technologie peut-être? Non, bah va te faire foutre. Voilà, les Géorgiens. Allez vous faire foutre. Alors. Ah, l'Empire moghol. Est en train de défoncer les marathes. Hein. Ou peut-être pas. Ouais, ça c'est marathes normalement. Je pense que les marathes vont disparaître. Donc on va se faire pote vite. Avec les Moghols. Alors, un petit accord militaire. Hein? Comme ça? Non, tu veux pas? Alors, je te redemande avec un accès militaire peut-être? Non plus. Bah va te faire foutre aussi. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait les états pontificaux peut-être qui m'aimaient bien. On va faire ça. Technologie. Vas-y. Gratos. Oh. Eh, vous faire foutre vous aussi. Hein. Sérieux? Putain, bande de vautours. Allez, vas-y, casse-toi. Bon, très bien. Bon bah écoutez, écoutez, premier épisode, pose les bases de l'Empire. Hein, on a abandonné la pauvre Amérique. L'Europe est à feu et à sang. Et on a pris un petit territoire en Inde, gratos, avec un trade intelligent contre les. Enfin avec les Portugais. Bon, du coup, pour l'instant, je vous montre tout, hein, parce que la stratégie générale pour l'instant, c'est défendre le précaré français contre ces enfoirés de néerlandais. Et ensuite, je pense qu'on fera plutôt de la grande stratégie où il y aura un objectif de guerre. Et je vous montrerai que ce qui est en rapport avec cet objectif de guerre, parce que toutes les micro-transactions avec tous nos états voisins, etc., etc., vous n'êtes pas obligé de les voir, hein, ça ne sert pas à grand-chose. Bref. Tchuss!